Oh, vous savez quoi? Ça veut dire reset, ça. Hein. J'ai merdé. De toute façon, hop, faut que je remette mon chat. Voilà. Ok. Allez, on va essayer de faire attention cette fois. Pas faire n'importe quoi. À la hache, ça c'est plutôt pas mal pour moi. Étant donné que du coup, voilà, je peux faire ça. Ouh, oui, du coup, j'arrive assez vite à la première zone. Ok, ça c'était mieux déjà. Je vous ai vu, j'ai réussi à faire le saut. Ah, et ça c'est faisable en un saut aussi, ok. J'ai réussi à faire le saut. Taper le mec sans arrêter. Donc si je réussis bien le boss, il y a moyen de gagner du temps ici. Plutôt même beaucoup du temps. Ok, premier cycle comme d'hab. Deuxième cycle correct. Ah, c'est pas le gold split pourtant. Ouais, j'ai quand même gagné du temps, c'est sympa. Ensuite, ça rampe là. La rampe là, on va se concentrer un peu. Pour essayer de le faire le plus vite possible. Ah zut. Là, on veut pas tomber de la plateforme. On veut pouvoir sauter normalement. Pas une grosse perte de temps. Merde. Ça, c'est pas très bon. Normalement. Ouais, ça va perdre du temps, ça. Surtout si je le rate en boucle. Trois secondes. Bon, ça va. Sachant que j'ai 3 minutes à gagner si je meurs pas. On va faire avec 3 secondes pour l'instant. Ok, là on a le temps. Non, j'en ai raté un. C'est pas très grave. Alors. Ah, c'est pas terrible, hein. Allez, on les reprend. Le boss, non. Non. Ah oui, pas mal. Le boss était pas mal et puis le saut pas trop tard non plus. Alors ici, j'essaie de prendre la vie cette fois. Bon, je me suis refait toucher comme tout à l'heure, mais cette fois, ouais. Ah zut, j'essaie de prendre la vie. Je disais donc. Ah zut.
Ah là là, je perds trop de temps. Ah, c'est pas grave, allez. Si j'arrive à avoir le cycle. Le bon cycle ici, c'est pas grave. Ok, le moulin me frôle, ça c'est. Signe que le cycle est bon, mais. Voilà, vous voyez, l'ennemi me troll. Non! Ouf, j'ai eu peur. Du coup, j'ai plus de vie. On va devoir jouer vraiment tranquillou. Faire gaffe au moulin. Et on y va. C'est un peu lent. Si je meurs pas sur le boss, je vais quand même gagner du temps. Pas comme tout à l'heure, un éclair nul. C'est dommage que tout à l'heure, j'étais vraiment bien parti pour le boss. Je me suis pris l'éclair vraiment comme un sac. Bon là j'ai pas le temps de me le faire donc on va juste l'esquive. Ouh. Attention. Ça c'est assez désagréable quand il fait. Il est mort. On aurait pu être plus rapide. Il y a quand même un peu de temps. Donc là, si j'avais la fast strat et le boss en rapide, j'aurais pu gagner 20 secondes au lieu de 4. Mais ça va. Et surtout, j'arrivais voilà, avec la manticore avec l'arme. Ce qui est sympa. Donc on a le timing le plus agréable. On va dire. Ah, j'arrive jamais à voir au-dessus de la croix. Mieux que la croix. Ok, alors là, objectif, premier cycle et... Bah, pas mourir, quoi. Hop. Ah, trop tôt. Peut-être pas de beaucoup, mais quand même trop tôt. Ah zut, se faire toucher là c'est vraiment pas sympa. Et là... Ok, les dragons ça va en fait, je... Je sais pas pourquoi j'y arrivais pas du tout mais... Finalement ça va. Là je peux quand même peut-être avoir le premier cycle. Non! Que fail comme ça, oui, ça c'est sympa par contre. C'était une triste erreur de ma part. Alors là, alors normalement, ouais c'est ça. Si je fais que bourrer, la fée tue la harpie à ma place. Et du coup j'ai le temps. Oh, j'ai pas le temps. Dommage. J'avais pas le temps parce que j'ai dû m'arrêter pour prendre l'arme. C'est pour ça qu'on veut avoir l'arme avant. Alors là, ah bah non. Je sais plus ce que c'est le damage boost. Mais pas ça. C'est pas ça. Là c'est trop lent. Beaucoup trop lent. Heureusement que le boss est assez faisable. Assez vite. Le petit cœur ici. Ok, bon, c'est pas grave, perdre 20 secondes, c'est un peu triste. On va essayer de se refaire sur les splits d'après. Ok, cette zone était pas mal, franchement. Je me plains pas. What? Ah, oh, zut.
Non mais deux fois. C'est pas bien méchant. Ce saut me fait assez peur. On peut s'arrêter prendre la vie, ça coûte rien. Ok, et ça safe le boss un poil. Alors là, si j'ai un bon cycle sur Don Quichotte, on peut espérer... Mais pourquoi il se met là? Ah, c'est nouveau ça. C'est assez rare qu'il fasse ça. Ok, là je l'ai plutôt bien défoncé, c'est agréable. Les haches... Ok. Ok, ouais, c'est pas mal de se mettre là avec la fée, en fait, ça fait mal. Bien mal. Ouh, 50 secondes de gagner. Ça, c'est parce que j'avais merdé. Je sais pas ce que j'avais merdé. J'étais mort, peut-être. Je me souviens plus. Ce split, j'hésite, il faudrait que je tente le... Merde. Alors là je vais aller doucement, tant pis. Pas perdre de temps. Oh zut. Ok. J'ai joué lentement un peu. Alors là oui, je voulais tenter le damage boost, mais du coup j'hésite. On va déjà faire le premier, la première série. Ah, il faut s'entraîner à le faire donc. Ok. Bon, c'était pas tout à fait celui que je voulais, mais. Est-ce que je prends le boubou par contre? Ça c'est peut-être lucide. Pour être plus safe sur le boss. Donc là on a la TP. Hop. Ok. Le saut, la combi de saut qui s'est bien passée. Pourquoi j'ai sauté là? C'est pas grave, j'ai réussi à lui enlever la vie que je voulais. Il est mort. On récupère un PV quand même. Parce qu'on a peur. Ouh, encore un gold split, c'est cool. Ça c'est le passage en bas qui me fait gagner du temps parce que sinon... Ah, et le... toute la suite de sauts sur les lianes. J'avais pas réussi. Alors là, c'est le saut. Ouais, je serais peut-être pas obligé de prendre la vie en fait derrière Tarasca. Mais ça me fait peur. Lui, on veut se faire toucher. Ah, mais j'ai encore le boubou en plus. C'est beau ça. J'ai peur de la hache qui m'est retombée dessus. Ok. Donc boue. C'est moins le problème. Le véritable problème. Ah purée. Le véritable problème c'est les âmes. Donc on va jouer safe. Surtout que j'ai pas l'arme que je préfère, qui est l'arme pour ce boss que je préfère, c'est celle avec la portée. C'est-à-dire la dague en fait. Donc on va jouer vraiment, vraiment safe. Il y a du temps à gagner si je meurs pas. Ok. Ah oui, il faudrait peut-être pas partir d'en haut.
Ok. Ah, j'arrive pas à viser ce boss quand il est... quand je suis dessous. J'ai toujours peur de me faire toucher un peu trop. Ouais, vous voyez, putain. Du coup, c'est vraiment pas les patterns qui me vont, ça. J'ai un peu de vie, donc je peux bourrer, mais faut pas que je fasse nimp non plus. Non, purée! Pourquoi ça bip? Non! Ah, time out! Ah, c'est pour ça que ça bip! Ah, on peut se faire time out! Ah, j'avais oublié qu'on pouvait se faire time out! Oh non, c'est nul! C'est pas grave, je pourrais peut-être quand même gagner du temps, on va voir. Sur la première phase, c'est jamais bon. Oh purée, j'aurais pu gagner tellement de temps. Ok. Non mais c'est sérieux ça? Ah. Non. Ok. Purée, vous voyez tout le temps que je perds. Je gagne 22 secondes et je suis mort avec un timeout quoi. Vraiment j'ai fait de la merde sur ce split. Hein. Donc ici il y a encore une minute à gagner. Largement. Condition de pas merder, faut que je m'entraîne à faire ce boss avec l'arme à courte portée. Ok, on peut pas sortir de toute façon. Pas aller plus vite. La forêt. La forêt, c'est pas facile. Hein. Le premier écran est facile. En fait. C'est plutôt les écrans d'après qui vont être la galère. Je comprends toujours pas. Ça va être l'écran d'après, je sais toujours pas comment vraiment le passer. Il faudrait presque que je meure en fait ici. Je crois que ce que je vais faire. Me suicide. De toute façon, j'ai pas l'arme donc c'est pas grave. Ah zut. Je me suicide pourquoi? Pour être un poil plus safe parce que j'ai pas assez de vie. Et si je meurs avec la clé, c'est vraiment, vraiment la merde. Faut se retaper un cycle entier de saloperie. Oh, ça c'est bon. Et là, en fait, il suffit de se laisser tomber. À chaque fois, je saute, mais il suffit de se laisser tomber. Et du coup, en sautant, c'est plus dangereux. Donc là, j'ai la mauvaise arme. La mauvaise arme. Ça dépend pour qui, parce que moi je l'aime bien cette arme. Vite buter la fleur. Moi j'ai plus peur des fleurs que du boss. Deuxième phase, il faut pas se prendre de flèches, donc je vais bien me méfier parce que j'ai plus de vie. Ok, c'est bon.
Ouh, j'ai encore gagné du temps ici. 3 secondes. Mais surtout, j'en perds pas. Et ensuite, on arrive sur Moura. Je sais pas trop quoi tenter pour Moura, on va voir. Voir ce qu'on peut faire. Non. Ok, ça c'est pas grave. Étant donné qu'on a la... On n'a pas la mort si on... Si on tombe bien sur la gauche. Là on bourre, on n'a pas la bonne arme mais on bourre quand même. Allez, Emura. On va tenter la vraiment safe strat. Non, la vraiment safe strat, c'est avec la l'épée, mais non! Ah, ça c'est pas censé arriver malheureusement. Faut pas se faire toucher à la première phase. Non! Non, mais c'est. J'y arrive pas à la première phase. Cette arme, c'est vraiment pas le bon plan pour ce boss. Pour moi en tout cas. Ah, dommage, j'ai perdu du temps bêtement en voulant tenter la strat. Ah, j'ai tiré en balle. Allez, ça se fait pas. Et là, on va jouer safe. Ah, la perte de temps. Dommage. Oui, le décès. Ok. Sub 23. C'est pas mal. J'aurais pu faire bien mieux.